La Belgique prête à accueillir Jean-Pierre Bemba. Ce jeudi, le chef de la diplomatie belge, Didier Reynders, a annoncé que le pays était prêt à accueillir l'ancien dirigeant congolais. Il souhaite rejoindre sa famille qui vit dans le pays. L'ex-chef de guerre a finalement été acquitté par la Cour pénale internationale des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité la semaine dernière. Une décision rendue en appel à la surprise générale qui a permis la mise en liberté conditionnelle de celui qui a été incarcéré pendant 10 ans à La Haye, aux Pays-Bas. Cet ancien homme d'affaires, devenu ensuite vice-président de la République démocratique du Congo, avait été condamné en première instance à 18 ans de prison il y a 2 ans. Il s'agissait alors de la peine la plus lourde jamais prononcée par cette juridiction pour les meurtres, les viols et les pillages commis par sa milice en Centrafrique entre 2002 et 2003.